vous présente Anma. Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. David Delon, bonsoir, hein, je me présente. Hein. Moi, c'est Anma. Hein, dans le jargon des économiseurs d'écran, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de veille prolongée hein, de l'amour. Hein, c'est vrai que si je devais me définir, eh bien. Et moi, je dirais que je me sens un peu comme un gros puzzle hein, qu'on aurait offert à un aveugle, hein, et que du coup, malheureusement, eh bien, personne ne finit jamais, hein, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie hein, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie hein, que même si physiquement, hein, si on fait l'impasse, évidemment, sur vos 12 cm d'oreilles, hein, qui trahissent un peu, il faut bien l'avouer, vos origines anglaises. Et puis en plus d'avoir des faux airs hein, de ce beau gosse hein, qui est le mentaliste, et bien c'est pas tous les jours hein, qu'on reçoit un acteur anglais de talent hein, qui, malgré un français très approximatif, hein, il faut bien le reconnaître, réussit à s'imposer en France, hein, aussi bien à la radio qu'à la télé. Hein, puisqu'après avoir fait vos débuts hein, dans l'émission Union Libre, hein, aux côtés de cette femme aussi distinguée hein, que sobre, hein, qui est Christine Bravo, et bien depuis 2011, hein, vous co-animez sur France 5, l'émission On n'est pas des cobayes, hein, une sorte de version pour adultes toxicomanes hein, de l'émission C'est pas sorcier, hein, dans laquelle vous essayez de répondre à des questions aussi pertinentes hein, qu'inutiles, hein, comme par exemple hein, où vont les ballons lorsqu'ils s'envolent, peut-on sauter plus haut qu'un kangourou, hein, ou encore peut-on, comme la Castafiore, hein, casser du verre en chantant. Et vous savez quoi, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ouais, il a été élevé par un père hein, qui, en sa qualité de CRS, a souvent eu tendance, il faut bien le reconnaître, à me considérer un peu comme son cobaye. Et bien, je peux vous dire hein, que malheureusement, pour le trou de la sécu notamment, hein, il n'y a pas que du verre hein, que ma Castafiore de père est capable de briser. Hein, c'est aussi bien à l'aide de sa voix que de nombreux outils hein, qu'il a souvent testés sur les différentes zones, hein, aussi friables que douloureuses hein, de mon anatomie. Et je me souviens notamment hein, de cet été 94, hein, où en pleine folie des tatouages tribales, hein, je m'étais fait tatouer au aîné, hein, mon signe chinois sur le pied, un petit rat adorable. Un geste que j'imaginais sans conséquence, mais qui malheureusement hein, n'a pas été du tout du goût de mon père, hein, qui passablement embrumé hein, par les litres de Campari hein, qui s'étaient enfilés pour fêter la récupération hein, de son permis de conduire, a décidé de me donner une petite leçon hein, en me tatouant sur l'épaule à l'aide de son pyrograveur, un hein, mix du logo de l'OM hein, et de celui de la flamette tricolore, hein, une expérience, vous l'imaginez bien, aussi marquante qu'un délébile. Hein. Et en parlant d'expérience marquante, justement, J'ai découvert qu'avant de devenir comédien, hein, vous avez travaillé dans la recherche. Et vous savez quoi, j'ai envie d'y voir un signe, hein, quand je suis qu'à mon petit niveau. Hein, étant moi-même, comme dirait le père Albert, en recherche. Hein, oui. Et c'est aussi bien d'un point de vue spirituel hein, que sexuel. Eh bien, sachez hein, que si le docteur en physique nucléaire qui est en vous hein, n'a pas peur d'être irradié de bonheur, hein, eh bien j'aime autant vous dire hein, que la fissure de mon atome et moi-même hein, seraient absolument ravis hein, à l'idée de pouvoir entrer en fusion, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. Hein. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien j'irai tenter ma chance au Liban, hein, où paraît-il ces jours-ci, hein, les rescapés syriens affluent en masse. Hein, donc, je suis comme moi, hein, la terre d'accueil qui est en vous, hein, n'a qu'un souhait finalement, hein, celui d'être colonisé. Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, monsieur.